Thierry a entendu parler d'une course en Afrique qui s'appelait le Côte Côte. Et il a réuni ses quelques copains qui étaient toujours les mêmes et pour leur dire, tiens, on va faire un truc rigolo, on va aller faire cette course en moto. Ok, banco. Quand Thierry disait on va faire ci, on réfléchissait même pas, on le suivait. Et Thierry était concurrent, il s'est perdu entre Dircou en moto, il s'est perdu entre Dircou et Madama. Nous sommes restés un petit groupe d'une dizaine de personnes à le rechercher jusqu'au moment où l'organisateur, Jean-Claude Bertrand, a une parole célèbre. Pour le moment, j'ai un connard de perdu. Si je vous laisse faire, ce soir, j'en aurai 10. Donc, vous ne bougez pas, vous faites un campement et je vais le retrouver. Et entre-temps, Thierry, je peux l'imaginer, qui s'est fait le challenge suivant. Si je m'en sors, il n'avait pas d'eau, il n'avait pas de nourriture. Et si je m'en sors, je vais organiser ma propre course pour mes copains, à ma façon. Et Dieu merci, et il s'en est sorti. Et il n'a eu de cesse que de revenir sur cette idée. Sur cette idée. Il faut dire que Jean-Claude Bertrand, lorsqu'il l'a retrouvé, il lui a dit « À partir de maintenant, tu vis du rab. » Et ça a duré 9 ans. Enfin. Donc il fallait faire vite et c'est comme ça qu'est né le premier Paris-Dakar. Il y a d'abord eu l'enduro. L'enduro a servi de tremplin. C'est à la sortie d'une projection d'un film de Steve McQueen, produit par Steve McQueen, un documentaire qui s'appelle Challenge One. Pendant le film, Thierry a eu la révélation de courses dans le désert avec départ en ligne et il a immédiatement visionné un départ de moto sur la plage du Touquet en ligne à la façon des grandes courses dans les déserts américains. Après, il y a eu la croisière verte, et ce fameux côte-côte où il s'est perdu, où il a commencé à faire parler de lui. Et puis, premier Dakar qui a été organisé vraiment avec des copains, et avec l'aide de son épouse Diane, et des bouts de ficelle, et de l'aide de Gilbert bien sûr aussi, mais vraiment des bouts de ficelle. Il y a eu bien sûr des événements très tristes et très pénibles, bien sûr. Avec Thierry, c'était tout de même tarte à la crème, hein, c'est ce qui me revient le plus. Mais il y avait par exemple des concurrents c'était les frères Delfortry, au premier Dakar, ils avaient emmené une bourriche d'huîtres avec eux et on a réveillonné avec des huîtres en plein désert. C'était tout de même une période un peu folle où tout était permis. Ce fameux côte-côte où il s'est perdu, il a abandonné sa moto entre Dircou et Madama. Il doit y avoir 400 ou 500 km. La moto a été retrouvée quelques années après. C'était peut-être pas à l'endroit où il l'avait laissée. C'était peut-être pas de bon augure. Chacun peut interpréter ça comme ça, mais certains des proches ont. Je crois que l'accident est arrivé peu de temps après et peut-être. Bon, on peut interpréter ça de tas de façons, mais. Voilà. Il y a la parole, les paroles de Jean-Claude Bertrand. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu vis durable. Il me semble que c'est 9 ans, jour pour jour. Ou presque.
Le dépassement de soi-même, c'est l'aventure. Il nous a permis de vivre, on revivait des films de notre enfance, quoi. On passait du rêve à la réalité et on se retrouvait embarqué dans des galères. Parce qu'il n'y a pas eu que Dakar, il y a eu un rallye nautique sur les fleuves en Afrique. Enfin, tout était accessible avec lui, tout était simple, tout était possible. Le grand projet était de faire un rallye sur les 5 continents. Voilà. Chaque année, il y aurait eu un continent différent. Mais il serait sans doute passé à autre chose. Le monde n'était peut-être pas assez grand.